Pour quelle raison ce taux d'hémoglobine est-il si important dans le cadre d'une chirurgie? Alors, le taux d'hémoglobine va nous permettre d'apprécier en quelque sorte la réserve sanguine d'un patient. Tout acte chirurgical, bien entendu, entraîne un saignement pendant l'intervention. Et donc, on doit être en mesure d'assurer une totale sécurité au patient, même en cas de saignement, sans avoir recours à des transfusions au moment de l'intervention. Et donc, c'est pour ça que l'on va définir un taux d'hémoglobine en préopératoire de façon à pouvoir opérer dans toutes les conditions de sécurité. Il faut savoir que ce taux d'hémoglobine sur des chirurgies qui ont tendance un petit peu à saigner un petit peu plus va diminuer en post-opératoire, mais cela est tout à fait normal, mais peut avoir aussi un impact sur la qualité de la cicatrisation en post-opératoire. C'est pour ça que l'on fait ce bilan systématiquement avant tout acte chirurgical.